Bon, c'est toi qui voulais me parler. Écoute, il s'est rien passé avec Louise. Oui, enfin, vu ses derniers posts Insta, elle a pas vraiment l'air au courant, tu vois. Écoute, je suis désolé que t'aies vu ça. Écoute, je sais pas, allez, j'étais bourré, j'ai dormi chez elle, mais j'en ai rien à foutre de cette meuf. Classique, Milan. Mais attends, c'est quand même toi qui m'as planté pour te casser avec ton ex. Quoi, mais ça a rien à voir, il a débarqué comme ça sans prévenir. Je devais faire quoi? Bah, je sais pas, lui dire de se casser, peut-être. Il était hyper mal! Ça, je vous ai vu en bas de l'immeuble, vous étiez super proches. Écoute, je sais pas trop ce qui se passe entre vous, mais j'ai un peu l'impression de passer pour un con, tu vois. Et ça, j'aime pas. Ce qui se passe entre nous, on partage un truc très spécial, le virus du sida, je sais pas si tu te rappelles. Quand je lui ai dit qu'il me l'avait refilé, il voulait pas y croire. Ok, je l'ai harcelé pour qu'il se fasse tester. C'est pour ça qu'il est arrivé chez Maya, c'est parce qu'il venait de recevoir les résultats. Je devais faire quoi, Bilal? C'est pour ça que je continue à le voir, je peux pas continuer à le laisser déconner comme ça. Mais il a pas des potes ou de la famille, ce mec, pour l'aider? J'en sais rien, il veut pas leur dire, il a trop peur. Mais putain, mais s'il y avait pas eu le don du sang, j'aurais rien su pour moi. Et j'aurais peut-être contaminé quelqu'un, tu vois. Non, mais c'est pas pareil. En quoi c'est pas pareil? J'ai déconné avec Mathéo, pourquoi j'aurais pas recommencé? En vérité, le truc, c'est qu'on vit dans un monde absurde. Si tout le monde se faisait dépister, eh ben, tous les séropos seraient sous traitement avec une charge virale indétectable et il n'y aurait plus de contaminants et le virus, il n'existerait même plus. Tu juges Mathéo, mais tu t'es déjà fait tester, toi? Et t'as jamais pris de risque? Je comprends que tu sois parti avec Louise. Mais arrête de dire ça, je te dis qu'il sera rien passé. Ta vie, elle sera plus simple avec une meuf normale. C'est pas toi qui disais que normal, ça existe pas? Je sais pas. Peut-être. Mais je sais pas, il y a des vies plus compliquées que d'autres. Pouvoir pécho en soirée tranquille sans se prendre la tête. Ça, c'est normal. C'est avec toi que j'ai envie d'être, Joe.